the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make. Eh bien, salut YouTube, salut les abonnés, comment allez-vous? On se retrouve pour ce troisième épisode sur Red Dead Redemption. Alors, en tout cas, j'espère que les vidéos qui en ce moment sur la chaîne YouTube vous font plaisir. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir vous partager tous ces bons moments. Et nous allons nous régaler. Donc là, je suis en train de pêcher, comme vous pouvez voir, j'ai eu la canne à pêche tout à l'heure. Je tenais à dire aussi que en ce moment, je fais quelques quêtes secondaires et principales. Ah, ça a mordu. Et que du coup, je le fais exprès en fait de faire des quêtes principales tout simplement. Parce que j'aimerais pas spoil tout le monde en fait. Voilà, parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de pouvoir s'acheter les jeux de suite. Du coup, alors qu'est-ce que j'ai pêché là? Parce que ça m'a l'air assez... Ah, il s'est barré le bâtard, un truc à casser. Merde. Bon, tant pis, c'est pas grave. En tout cas, on va ranger la canne à pêche. Voilà, je fais une petite pêche à l'essiel. En tout cas, voilà, comme je disais, j'ai quand même un petit peu avancé sur la quête principale. Parce que je voudrais pas tous vos spoils. Je veux. Voilà quoi. Si vous achetez le jeu plus tard, vous ayez quand même quelques surprises. Que vous découvrez pas mal de choses. J'ai découvert un ovni, un vaisseau extraterrestre tout à l'heure, par hasard. Cette nuit, en fait, le vaisseau, si je vous dis pas des bêtises, il est. Alors attendez. Il est ici en fait. Vous allez là. Et vous allez vers minuit. Et là, il y aura la petite maison, en fait, une petite maison. Et quand vous rentrez dedans, il va y avoir une lumière verte, en fait. Et vous regardez le ciel, surtout ne sortez pas de la maison, parce que je suis sorti de la maison, il s'est barré de suite. Et vous allez bien voir, il descend très très bas, quand même. Et du coup, je suis plutôt impressionné, ça me rappelle un peu GTA V. Et donc, voilà. Moi, ce que je vous disais, c'est que je fais pas mal la quête principale, sans trop en faire non plus, hein. C'est pas pour spoil, donc c'est normal si on n'en est pas où on s'est arrêté la dernière fois. J'ai trouvé ce chapeau aussi. Moi je me suis changé aussi, j'ai changé la veste. Bon, j'ai le pur sang, je cheval pur sang arabe. Qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Et là mon pote à la compote. Oh, attends, on va s'occuper de lui, on va le brosser un peu. Donc là nous allons, comme d'habitude on part sur une quête principale. Nous allons voir ce qui se passe un peu, je vais le nourrir un petit peu parce que je crois qu'il va avoir faim. Voilà. Ah, ça c'est le petit classique que je fais, je le caresse après, ensuite je monte et voilà, allez, monte mon grand. Allez. Donc, nous allons sur ce pas faire la quête principale. Quête principale, où c'est que j'en ai eu? J'en ai eu ici. Allez, donc nous allons voir John Marston tout de suite. Voilà. Ah, il s'est passé pas mal de choses sur le jeu depuis. J'ai chassé l'ours, j'ai tué l'ours légendaire bien sûr, j'ai tué un élan. Comme je vous disais, si la chasse vous intéresse... qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont sérieux ou quoi? Tiens, qu'est-ce qu'il y a mais là? Y a un problème? Ça y est, problème réglé. Ils sont botches ceux-là. Donc comme je suis en train de vous dire, avant qu'il y ait ces deux tourtereaux qui viennent nous casser elle et les burnes, quoi, attendez, parce que par où je passe, que je ne perde pas. Si vous voulez de la chasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur la vidéo. Et j'organiserai une vidéo où en plusieurs parties on chassera des, pourquoi pas des animaux légendaires si ça vous plaît. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympatoche de faire tout ça avec vous. On va couper, hein, on va pas passer par la route, sinon on va l'avoir pour 10 ans. Voilà, et on coupe direct, ça va plus vite parce que sinon. Et voilà, on y est à la ville. Je suis vraiment navré, ça a pris beaucoup de temps pour arriver jusque là, donc du coup... Ah bah il y a lui, ouais, lui il me fait délirer. Lui. Hey, buddy.
mister? Can I get a buck, mister? Ouais, tiens, mon pote, prends une de là. Sure. T'es un ancien vétéran. Thank you! Oh, thank you, mister! Voilà. Moi, j'aime bien, moi, vous voyez, je suis un gentil, moi, dans le jeu. What the hell? Mais arrête de faire ta fiotte, là, un peu. Bon, il est où, Jean-Paul Goya? Alors, petite anecdote, savez-vous qui c'est ce jeune homme? Pour ceux qui n'auraient pas suivi, le mec à qui on est en train de parler, c'est ouais, celui qui parle là, c'est le personnage qu'on incarne dans Red Dead Redemption 1. Voilà, et il faut savoir que ce jeu se passe 17 ans avant Red Dead Redemption 1. Donc en fait, voilà, on incarnera le mec qu'on voit marcher devant nous là, et on devra chasser notre ancien groupe qui nous a trahis, souvenez-vous, le 1, c'est ça. Come along. You'll see. That train job was a star, but we need more money. Voilà quoi, c'était la petite anecdote, voilà quoi. Donc le mec que nous voyons devant nous, c'est l'homme que nous incarnons dans Red Dead Redemption. C'est plutôt marrant à voir ça. Et savoir que ben, nous l'avons trahi quoi, en quelque sorte. Désolé, je lis donc. What do you mean by that? I was a prize pony once. Now I'm a workhorse. Listen. Dutch is... But, well, you was at that thing in Blackwater. We already seen Pinkerton's here. New century's coming. This life, this way, well, we're the last, I reckon. And we ain't long for it. Then that's the way it goes, I guess. For me, yeah, well, it's yes. All right. So where are we going? Just need to pick up something. Un truc qu'il faut qu'on récupère, d'accord. Là, nous allons faire une petite mission avec avec lui. There's a hitching post over there. Tether the horse and I'll meet you across the street. I already don't like how this is going. Putain, je crois que ça va encore me mettre de la merde cette histoire. Je venais à peine de payer. Le truc là, moi. J'avais une prime sur moi, je venais de la payer là il y a pas longtemps. Je me suis fait chier à tout payer. Il y a un truc qu'il faut qu'il récupère, ce sera énorme. Un rifle. Ah ok, je vais acheter un fusil de précision, ça c'est cool. Revolver, carabine, fusil de précision. Ah ça, je suis bien content, tu vois. Ah merde, c'est celui-là, j'aurais bien voulu avoir celui-là débloqué. Ah mais zéro, donc ce sera gratos, allez. Merci mon coco. Allez, on va le custom un peu, hein. Vous êtes d'accord? Allez, on fait ça vite fait, comme ça vous verrez à peu près ce qu'il y a comme custom. Portée, ouais, on s'en bat les couilles de la portée, il a déjà une assez grosse portée comme ça, lunettes. Oui, la lunette, alors la frère, oh, le truc comme... 420 de LOL, bordel. La crosse. Ah, oh, celui-là, il est joli. En protection. Oh, allez, on prend une petite protection, ça fait toujours plaisir. Style. Alors, métaux. On va prendre le canon. Alors, on se le fait en or ou quoi? Allez, de vis. On le prend en or. Ça. On le fait en or. Ça, on va le faire en blanc. Ça, on va le faire en blanc, ouais. La mire, on s'en branle. Et ça, en or. Yeah, ça peut être joli comme ça. Une gravure sur métal, là. Ouais, ça, c'est sympa, ça. Vous allez voir. Vous voyez, on se fait une petite gravure au calme. On va se faire celle-là. Voilà, on peut y changer la couleur déjà. Vous voyez sur le canon. Nous avons pas mal de choses. Voilà, gravure sur le bois, ça peut être sympa aussi. Non. Oh si, remarque, si j'ai envie d'enlever le truc.
On va prendre le loup, c'est celui que je prends tout le temps, c'est mon préféré, cuir. J'ai pas un cuir, à... ouais voilà, plus sombre, c'est plus agréable, vernis. Oh, un noir comme ça, ouh, ah ouais, joli. Munitions. Allez, voilà, on a terminé avec l'arme. Bon, je suis désolé les amis si j'ai pris mon temps au niveau de la personnalisation, mais au moins vous découvrez avec moi, je veux dire, parce que moi j'ai déjà personnalisé les armes, au moins on découvre ensemble. Wow, la fumée. Ah, pas mal quand même, mais c'est un sacré sniper son bordel. On y va, ouais, bah écoute, on y va mon coco, allez, c'est parti. Allez. Il est grand le tien, ouais, moi c'est un pur sang mon pote. Moi c'est un pur sang. C'est quoi? I had a run in with that fella earlier. We ain't on the best of terms. You had a run in. I've had a run in with half that town. Calm down. It's done now, ain't it? Why are you being so cagey about all this? Always playing some goddamn game. Me? I ain't the one taking Jack on fishing trips. No, you ain't. If you say the boy ain't yours, what's the difference? You probably only run off again. Why are you so interested in my life? Ain't you got one of your own? Ah ouais, désolé les amis, je suis en train de lire du coup. Not be two people at once, that's all I'm saying. It ain't that simple. You know that as well as anyone. Same as with you and that girl. What was her name? Mary? That was different. No, it ain't. Just the same. Anyway, for the love of God, will you tell me what you got me doing here before I turn around and hit the breeze? There's a herd of sheep coming down to auction from Emerald Ranch. Folk in town were saying the owner's trying to stamp out every farm from here to Ansburg. Yeah, I know that place. Ouais, ok. J'en ai réglé quelques problèmes. Par contre, ça dirait d'aller un peu plus vite, frère. Parce que bon, c'est pas que ça me dérange, hein, vraiment, de me balader comme ça, mais voilà quoi. Que se passe-t-il là? Alors Corniche là-haut, il y aura une meilleure vue. Merci Arthur. Ah, c'est l'endroit que je disais que c'était beau. Why we need this rifle you couldn't buy yourself? Reckon we shouldn't get too close. At least not till we know what we're dealing with. Let's see what we can see from up here. Qu'est-ce qu'il veut faire ici? À chaque fois que j'y vais là, moi, c'est le gros bordel. On me casse les couilles. Moi et mon chapeau de pirate, j'ai une dégaine, laisse tomber. Bon, qu'est-ce que je fasse, Francis? Je crois que c'est là-bas. Put a shot in near them. I reckon they'll hightail it. They're only ranch hands. Just tire près des rochers pour les effrayer. Je comprends pas là. Comment je fais pour changer la vie? What the fuck? Attends, ils sont où sur la carte là que je vois là? Parce que je comprends pas trop. Ils sont trois, ok. Trois en face. C'est dégueulasse la visée. Je les vois pas moi, Francis Lalanne, t'es mignon quoi, t'es casse-couille mec hein. Looks like one of them don't scare too easy. Put another shot in close. He'll get the message. C'est s'il fait une balle à ses oreilles. Mais il est casse-couille ce mec! Je les vois pas tes types, gros! Elle est dégueulasse la visée du sniper. Vraiment. Yep. That spooked him, all right.
go round them up. Ah, c'est tout. Ah, ok. Wow, par contre, pour les voir, les types, elle est dégueulasse la vue, vraiment. Elle est pas folle, quoi. Mais là, on va rassembler des moutons, quoi. C'est génial. Ça, il faut bien qu'on fasse des sous, hein. Je suis en train de penser. How hard can it be? I guess we'll soon find out. Let's get these things. Bring them back to the yards. They're pretty scattered. Let's get them all rounded up. Easy now. Amène les moutons. Approchez-vous des bêtes. Approchez-vous des bêtes égarées pour les ramener vers le troupeau. Voilà. Il y en a d'autres là-bas. Easy, whoa. Allez. I'm moving up. All right, I think we got them all. Let's head for town. You know what? Marston, why don't you leave this to me? Merde, j'ai la télé qui va s'éteindre. Ça c'est casse-couille. I brought you in on this. Pourquoi il m'a dit là-bas? It'll be quicker this way. Trust me. Hey! Don't stomp all over. Mais ouais, mais pardon, connard, va. Oh, yeah. We're trampling them. All right, whatever you say. I'm done arguing. Tu crois que je me suis amusé à faire ça, trou du cul, hein? Move. Il est con, lui. Tu crois qu'il y a des frais sur les chevaux, frère, ou quoi? T'as cru que la vie c'était un kiwi lorsque vous visez. Ok. Like I said, I'll handle it. Yes. Hey. Easy, the type. You left one behind. Yeah. D'accord, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux bêtes qui s'égarent. Ok. J'espère que c'est pas très long à faire ce truc quand même parce que. C'est plutôt pas mal, mais j'ai pas trop envie qu'on se fasse agresser en fait. On a des moutons là, c'est jamais bon les histoires comme ça. Let's go. Easy. Easy. C'est vraiment magnifique ce jeu, mais c'est une dinguerie les potos, mais vraiment. Sa mère, allez mon coco. Okay. Oh, tu pètes un plomb, c'est son cheval. Allez, j'espère que c'est pas très loin. Allez, là, on s'égare pas. Suivez le troupeau. Maintenez une vitesse constante. Ah ouais, je vais bien. Allez, mon pote. On rentre à la maison, les petites poulettes. Allez, comme ça on va les vendre, on va se faire 2-3 sous. C'est vraiment excellent quand même. Tout à l'heure j'y rentrais dedans comme Miskin. Heureusement je l'ai pas tué, normalement tu passes à peine dedans. C'est... Fine sheep. They're okay. Well, you seem better around here. I've seen ones with less ambiguity. About their provenance. A lot less. What are you trying to say? I'm trying to say you get 25% kickback, and I won't say nothing to nobody. Everything all right here? Excuse me? Sure, I'll excuse you. Moi, t'exploser ta gueule, toi, mon gars. You want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock. 25%. 15. 20. 18. Done. Pas tard, là. Calm yourself, friend. Just think of it as
I'm buying your sins. You're buying. But we're paying. Go on now. Ouais, on s'est bien fait enculer, quoi. Come back after the auction. You'll get your money. Revenez après les enchères. Dutch is waiting for us at the saloon. He is? Dutch nous entend au bar. On va boire un petit coup, ça veut dire ça. Ça, c'est cool, ça. C'est clair, ouais. Can't herd, can't swim. Give it a rest, will you? We ain't kids no more. On a trouvé deux choses à l'hôtel. C'est vachement calme ici. Y'a personne nulle part, moi ça me paraît plutôt étrange. Come on, sunshine. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas le meilleur saloon ici, ouais. Le meilleur il est un peu plus haut. But in the end, I don't believe in absolutes, just shades of gray. Compromises. Compromises. Well, I have never been gentlemen. Dutch, Leopold. Where have you been? Working. Marston's thing. Good. And? We're just waiting to get some pay. A few sheep. Leopold, my good friend, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? Of course. Gentlemen, drink? Sure. Nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago. Bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the Dutch Vanderlyn Finishing School has some strange graduates. That it does. To your good health. Thank you. Lui, je le sens pas, lui. Il va nous faire une enculade, lui. Vanderlyn! Get out here! Get out what here the now! Hell? Vanderlyn! You don't know me, but you keep robbing me! My name is Leviticus Cornwall! I am not a man to be messed with by the likes of you. Ah, mais toi, t'es du genre à te prendre une balle dans la tête. Get out here before I have these men killed. What do you think? Tiens. Well, you depraved piece of trash. You start spinning a yarn. When I think the moment's right, I'll make a move. Why not? I got where I am by letting scum like you rob from me, Vanderlyn. Allez, ça va se régler là, les gars, un peu d'action, putain, c'est bon ça, oui! Oui! Je rentre à quelle heure dans l'action? Lui, je mets une balle à la tête d'entrée, lui, je sais plus. Please, gentlemen, this is a terrible mistake. This is a case. Je savais bien qu'il y avait un truc bizarre, c'est trop calme la ville, c'est pas comme ça d'habitude. What is worse than admonishing a man for the sins of another? Wants to be the Messiah, not me. Nor do I want to be this Dutch Vanderlyn, whomever he may be. Allez, ça c'est fait, ça. C'est moi qui régale. Et tu sais quoi? Tous ont éteint la gueule. Bande de salopards de merde. Ah, je prends cher là par contre. Ouh, je prends cher sa mère là. Tiens, toi aussi je prends cher. Tiens. C'est un guet à gland, putain. Tiens, t'as plus de visage, mon gars. Ah, la musique elle a chié par contre. Ah, elle est horrible la musique. Mort ou vif. Putain, j'avais tout payé ici quoi. Putain. Ah, ça c'est relou ça. Thanks, Trevor.
Ah, je vais crever, moi, je vais crever. Oh, c'est chaud là, c'est chaud, il y en a plein de mecs. Mais vous êtes sérieux les gars ou quoi? Cette mission, on est en train de foutre le bordel dans la ville que j'aimais bien en plus. Ah, je savais bien qu'il y avait un guet-apens, je vous l'ai dit qu'il y avait un guet-apens, il n'y avait plus personne quasiment dans la ville. C'est chaud là, c'est chaud à tartufette là, on est d'accord. Allez viens. Allez allez mon gros salaud là. Ah, c'est eux qui nous, c'est eux qui ont commencé à nous faire la guerre et maintenant ils nous font chier quoi. Putain, mort ou vif, je suis recherché. Ah, ça, ça casse plus, je vais repayer 5000 encore, bordel. Ah, cette musique a été dégueulasse en plus, horrible. You make sure nobody's following us. We'll get back to camp. We're gonna gather the troops and get them to start packing up. Sure, we can't stick around after this. Let's go. Allez, c'est parti! Qu'est-ce qu'ils ont, eux? C'est ça? Après tout ce que j'ai fait pour cette ville, c'est comme ça que vous me remerciez? Pas de problème. J'étais un mec bon pourtant. Tiens. Je suis plus bon pour toi. Vous savez quoi? Putain, je suis. Comment je vis trop mal? Tiens. Tiens, Doliprane mon pote. C'est moi qui régale. Échappez-vous de Valentine. Ah ouais ouais, je m'échappe mec. Je reviens plus jamais ici de toute façon, c'est mort. Je pourrais plus de toute façon. Allez. Sauter. Putain, j'avais tant fait pour cette ville en plus. Oh, je suis bimeur. J'avais tant fait pour cette ville, ça me fout le seum quoi. J'y vais bien moi cet endroit. J'allais au bar et tout souvent. Et j'ai des petites putes aussi qu'il y avait là. Ah par contre c'est sérieux, j'étais vraiment une pute qui avait hein. À chaque fois elle tuait des hommes qui étaient complètement cons avec elle. Et ben là mais je pourrais plus y aller quoi. Parce que si c'est 5000 à payer, moi je paye pas 5000, ils vont se faire foutre, j'aurais plus dans cette ville de merde. Ça ma ville préférée c'est Denis. Denis c'est un truc comme ça. Échappez-vous de Valentine, c'est la ville, elle fait 4 maisons, c'est waouh. Pas mais compliqué de s'échapper de ce bordel hein. Allez, les trucs de recherche, c'est bientôt fini. C'est parti en couille, comme je pensais. Je savais bien que ça allait partir en couille, cette histoire. Et du coup, ben, on n'aura pas les sous des moutons. Et voilà, dans le cul. Et voilà. On l'a bien dans le huc. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, je regarde combien de temps. Ah, bien dans le huc. Hein. Bon, écoutez, les amis, on va se laisser pour cette vidéo. Là, là, là! Oh putain, il m'a fait peur, ce connard. En tout cas... J'espère que cette vidéo vous aura plu, il y aura eu pas mal d'action, enfin, au début pas trop avec les moutons, finalement on arrive, je sentais un peu le traquenard, vous voyez, il n'y avait personne en train de marcher dans la ville, surtout que c'est une ville à laquelle je vais souvent, le cheval est en train de chier, sans pression, et du coup voilà,
Là, je savais qu'il allait se passer un truc. Moi, je pensais pas autant, mais voilà, je pensais qu'elle allait avoir une baston dans le bar et c'est tout, quoi. Et en fait, non, pas du tout. Il y a carrément tout le monde s'est mis contre nous. Même la ville, finalement, s'est mis contre nous. J'avais même perdu mon chapeau. Donc, en tout cas, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à balancer les pouces, les amis. C'est la récompense pour le travail fourni. Et si la vidéo vous a plu, bien sûr. Partagez aussi, invitez vos amis à la chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye, à la prochaine pour une nouvelle aventure.